à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui nous sommes à Bordeaux au théâtre des Salinières où Xavier Deluc va mettre en scène sa première pièce de théâtre, L'âme de fond. Alors on va retrouver Xavier dans quelques minutes et tout au long de la soirée on va vous faire découvrir les offres, quelques extraits de la pièce. Vous allez nous suivre jusqu'à la finale au restaurant. A tout de suite. Thierry, il se dit il va recommencer, c'est alors, pas possible. Ouais. C'est ça. Alors nous sommes avec Xavier Deluc. Alors Xavier, c'est ta première pièce. Comment tu te sens ? Et je me sens bizarre. D'abord, je suis ému qu'il y ait du public. C'est une première, c'est une création, c'est la première fois qu'on la joue avec des acteurs qui sont formidables. C'est particulier, c'est des pièces baroques, drôles et parfois touchantes. J'espère que le public sera heureux. Et voilà, j'attends le champagne après, quoi, surtout. Voilà, et on sera là tout à l'heure aussi pour le champagne. Oui, puis je suis touché que vous soyez venu faire l'émission. Un petit clin d'œil pour la région et pour moi et pour la pièce, c'est sympa. Nous, on te l'avait dit quand on a fait l'interview qu'on serait là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parole tenue. Merci Thierry. Ben, merci à toi. Salut et longue vie à Bassin People TV. Et à l'âme de fond. C'est pas Merde. Bon point de corps, belle finition. Ouais, franchement, monsieur Varenne, avant je travaillais dans l'agencement de vitrine, c'est mon rayon. Et on lui savoir. Et n'avait rien contre pourtant. C'est mon portable. Mon fils, les clés de ma maison tant que vous y êtes. Quand vous aurez mis. Vous regardiez un match de rugby Écosse-Italie ou. Voilà, et cette pièce est née ce soir. Grâce à vous. Alors, nous sommes avec Michel Tedeuf, donc le comédien principal de la pièce. Alors, Michel, comment ça s'est passé cette première ? Ça s'est bien passé. Oui. C'est bien passé. Bon, comme toutes les premières, on est toujours un peu inquiet au départ, surtout qu'on ne sait pas comment va être la réception du public par rapport au texte, par rapport à tout ce qu'il voit à la mise en scène. Et en fin de compte, je crois que le public était content. C'est bien l'essentiel. Il avait l'air, en tout cas. Il avait l'air. Alors, son rôle de grand-père. Oui, mais maintenant j'ai l'âge de ça. Hein. Que... Voilà, les jeunes premiers, c'est fini. Hein. Mais ouais. Est-ce que c'est une façon d'imaginer la solitude pour une personne âgée ? Il y a quand même beaucoup d'émotions dans la pièce. C'est vrai, absolument. Et ça peut être une piste de la pièce, effectivement, où on peut s'interroger, dire, voyons, cet homme, qu'est-ce qu'il est ? Apparemment, bon, il vit seul. Il y a ce couple de jeunes gens qui viennent le retrouver de temps en temps. Tous les jeudis, animer sa vie. Et la fin du jeudi, il se retrouve seul jusqu'à la semaine suivante. Ouais. Voilà, jusqu'au jeudi. En tous les cas, c'est touchant, c'est une belle pièce, on peut vous conseiller d'aller la voir. On va faire un peu le tour des autres comédiens. Bien sûr. Je souhaite beaucoup de succès à cette pièce. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonsoir. Merci. Alors nous sommes avec Sophie Danino. Alors Sophie, tu es la seule fille de la pièce. Eh oui. Comment ça se passe avec les deux garçons ? Bon, ça se passe très bien, ils sont mignons comme tout. Mais j'ai l'habitude, je suis souvent la seule fille dans les pièces. Donc, c'est vrai. Mais je suis bien entourée, ouais, ils sont mignons comme tout. Et
Je me sens pas seule étant la seule femme. Ça va, je représente les femmes. Non, on s'entend très bien, on a une bonne équipe. Ouais. Bon, alors cette première, les impressions. C'est toujours excitant de se dire qu'on va affronter le public, on va affronter la nouveauté, les rires, on ne sait pas quand ça va rire, quand ça ne va pas rire, ce qui va coller, ce qui ne va pas coller, puis on tâtonne un peu. Mais là, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Le public était réceptif. Le public était très réceptif, donc ça déjà on était ravis, on s'est dit du moment que le public nous suit, ça porte quoi, vachement. Et je pense que voilà, dans les prochains, vu que ça c'est la première, c'est toujours un moment où on cherche un peu nos marques, on essaie un peu de voir, de poser les choses. Je pense que plus les semaines vont passer là, plus les choses vont être vraiment posées et agréables, et on va vraiment vraiment s'amuser parce qu'on sera que dans l'invention. Donc ça sera super. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à la pièce. Alors, on va continuer, il y a encore un de tes collègues qu'on n'a pas interviewé. Et à très bientôt. Alors Sophie, merci beaucoup. Merci. Et longue vie à la pièce. Merci. Alors nous sommes avec Julien Boissy-Descombes, le troisième compère de la pièce. C'est ça. Alors Julien, comment ça s'est passé cette première? Eh ben bien, il fallait que ça sorte. Ouais, il fallait que ça sorte. Non, puis c'est vrai que c'est un projet un peu où il y a plein de choses qui sont tombées un peu par hasard. Je suis salinière depuis peu de temps. J'arrive de ma Charente, d'Angoulême. J'ai fait mes spectacles depuis des années. Et puis j'ai jamais intégré de compagnie fixe. Et puis Frédéric Boucher est venu me chercher. Et puis à peine arrivé, il m'a dit « il faut que tu lises une pièce ». J'ai lu « L'âme de fond ». Ouais. Puis je suis tombé amoureux du texte, direct. Et puis il m'a dit « bah, il y a Xavier, tu vas faire une audition ». J'ai dit à Xavier que quoi qu'il arrive, j'étais amoureux de ce texte. Et puis, puis l'audition s'est très bien passée. Et puis voilà, puis après c'est parti. Et puis bah, c'est vrai qu'avec Michel, il y a quand même une saveur particulière. On a appris plein de bonnes choses. Sophie apporte du peps, on s'éclate. Et puis ça a été un long travail parce qu'on a commencé depuis 4 mois et demi à étaler tout ça. Donc voilà, il fallait que ça sorte. Et Xavier, tu le connaissais déjà ou pas? Alors Xavier, on s'était rencontrés, il s'en souvenait pas, mais on s'était rencontrés parce que j'avais tourné dans deux sections de recherche déjà en tant que petit rôle. Donc voilà, et puis ça a été une belle rencontre. Plein d'états de choses qui sont passées pour arriver à une belle osmose. Et puis c'était un plaisir de travailler avec lui parce que c'est vrai que beaucoup... On avait Frédéric que je connais qui nous faisait la mise en scène générale, il avait la direction d'acteur de Xavier. C'était quand même. Je connaissais Xavier le nom un petit peu comme ça, mais je ne connaissais pas son parcours, on a eu l'occasion de discuter. J'ai découvert des choses. Grand comédien. C'est un monsieur qui vient de moi. Voilà, exactement. Alors, en auteur, en tout cas, moi, la première pièce que j'ai lue, quand je l'ai lue, j'ai kiffé. Donc, oui. Et puis je suis fier et heureux de participer à cette aventure. Quoi. Comme mon aigle dans le dos, je vais lui donner des ailes et puis que ça continue. C'est ça, c'est tout ce qu'on va souhaiter à la pièce. C'est clair, il y a plein de bonnes choses à faire. Écoute, Julien, merci beaucoup. Merci et puis, à vous. On en dit merde. C'est ce qu'on dit au théâtre. On prend. À très bientôt et merci. Longue vie à la pièce. Ça marche, Julien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. C'est vraiment parce que vous assistez, parce que je suis... Je n'attendais pas ça du tout. Non, je voulais remercier... Par contre, t'es pas d'accord, t'avais ton bouton de défait. Je voulais remercier surtout qu'on donne toute notre admiration et reconnaissance à ce qu'on fait, au travail qu'a fait Michel, Julien et Sophie. Parce que... ils ont vraiment fait un parcours depuis 4 mois sur la pièce de théâtre, qui est vraiment le parcours d'un comédien de troupe et qui est le fondement, la base de ce qu'est un acteur, et du comportement d'un acteur, de l'humour, du travail, de l'approche du personnage, du respect de l'auteur, des contestations aussi, des recherches, des doutes, sans mettre en doute la mise en scène et l'auteur que je suis. Et franchement, au nom des comédiens, merci. Les filles, et les gars, les filles, si j'ai... Et pourquoi Frédéric, il ferait pas un discours? Frédéric. Ça fait spontané, là? Ça fait bien, ça marche. Oui, allez, Frédéric. Elle est bonne. Allez, Julien, on y va? Non, Frédéric. Frédéric. Je vais dire quelque chose, je suis obligé. Ah, tu te lèves pas, tu te lèves.
Lève-toi, Frédéric. Ah, attends. Bon, moi je. Non, juste que. Mais moi je suis très content. Bravo! Non, mais pourquoi? La raison elle est simple. C'est parce que mon métier, c'est de réunir des gens pour qu'ils aient ensemble une aventure humaine et des émotions fortes et après qu'ils les transmettent à un public. Ben là, aujourd'hui, enfin en tout cas avec l'âme de fond, c'est le cas. Donc ben, moi je suis heureux. Merci d'avoir participé à cette première parce que c'est une première qui comptera pour Xavier, pour Michel, pour Julien, pour Sophie et puis j'espère pour d'autres gens. Voilà. Et puis que cette pièce aille le plus loin possible, avec ou sans moi. Auteur de mes textes, Michel Pébert. Alors là, nous sommes avec Frédéric Boucher, le directeur du théâtre des Salinières. Alors, le big boss. Hein. Alors, Frédéric, c'est rare que tu lances une pièce comme ça, toute nouvelle, qui n'a pas déjà été rodée partout. Oui, c'est rare parce qu'en général, on a plutôt l'habitude de reprendre des succès parisiens, en fait. Ouais, voilà. Des pièces qui ont déjà fait leur preuve. Parce que bon, c'est une assurance qu'il y aura du monde et que ça va bien se passer, parce que la pièce a fait ses preuves. Et de temps en temps, une fois, deux fois dans l'année, on fait une vraie création. C'est-à-dire, on monte une pièce qui n'a jamais été jouée. Alors, c'est le cas de l'âme de fond. Et on le fait toujours avec la même passion, la même équipe, l'équipe de décorateurs, les costumiers, etc. Les comédiens. Les comédiens, les techniciens. Mais c'est un peu particulier parce que quand elle n'a jamais été jouée, nulle part, il y a un attachement particulier. On a vraiment envie, quand on fait une création, de réussir la pièce et de mettre tous les atouts pour que ça fonctionne. Alors c'est aussi rare, pourquoi tu as choisi celle-là? Parce que le sujet m'a touché, ouais. Parce que les relations père-fils, je crois que ça intéresse un peu tous les hommes. On a tous plus ou moins, je pense, des problèmes relationnels avec son père, avec les autres générations. Quoi. Donc c'est un sujet qui m'a touché. En plus, il y avait de l'humour dedans, il y a une pièce qui avait de l'humour, de l'émotion. C'est un auteur bordelais. Qui habite le quartier, qui fait un peu de cinéma, qui est sympa. Ouais, un peu de télé. Non, aussi. Puis que j'avais croisé deux fois sur section de recherche, donc on avait joué ensemble déjà à deux reprises. Et puis voilà, la pièce me plaisait, simplement la première fois où il me l'a donnée, il m'a fait dire, je lui ai dit non. Ah oui. Et puis je lui ai expliqué pourquoi. J'estimais que la pièce n'était pas complètement de ce qu'on avait l'habitude de jouer aux Salinières, et puis qu'il y avait des changements à faire. Bon, ce qui est normal. Tu pensais qu'elle était un peu à contre-courant Non, je pensais qu'elle était longue, qu'elle, dans la construction, il y avait des petites choses qui ne collaient pas. Là-dessus, Xavier en a convenu. Ouais. Donc il l'a retravaillé, on a fait des lectures avec d'autres comédiens, ceux qui l'ont joué en ce moment aux Salinières. Ouais. Puis petit à petit, les choses ont avancé, et puis un jour, je lui ai dit oui, ça y est, on y va, je pense que ta pièce est. Donc là, elle était suffisamment aboutie. Oui. Alors, est-ce que tu as eu ce soir ce sentiment qu'elle était réellement aboutie par rapport à la réaction du public? C'est jamais réellement abouti parce que c'est une étape, en fait. La représentation, la première, c'est une étape. C'est la dernière étape. Mmh. Et là, il faut, je pense que Xavier fasse ce travail avec nous, hein, s'il le souhaite. Ouais. C'est-à-dire, en fonction des représentations qu'on a fait aux Salinières, il va sûrement retoucher sa pièce. Parce que c'est avec le public qu'une pièce prend. En fonction des réactions à exactement. Chaque scène. En fonction des réactions, en fonction de ce que les gens vont, les spectateurs vont lui dire, en fonction de ce que les comédiens vont ressentir aussi du fait de la manger en public. Ouais. C'est tellement une matière. C'est un spectacle vivant, donc c'est une matière qui bouge sans cesse. Tous les soirs, ils vont trouver des petites choses. Et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a des petites choses sûrement à arranger, j'allais dire. Comme on arrange une chanson. Ils avaient l'air contents, les comédiens. Oui, les comédiens. Ils ont eu une bonne osmose avec le public. Ça l'a bien fait. Oui, parce qu'ils ont bien accroché d'abord avec le sujet. Ouais. Les rôles sont en or. Ouais. Parce que les deux rôles principaux, parce qu'après il y a un troisième rôle secondaire, mais les deux rôles principaux, il y a toutes les émotions. Très touchant, très touchant. Beaucoup d'émotions dans cette pièce. Ouais. Et beaucoup d'humour, et en plus ils se connaissent bien tous les deux, donc il y a une complicité. Déjà d'entrée entre les comédiens. C'est fait rapidement en répétition, et puis ce sont des comédiens qui ont plaisir à jouer, bien sûr, et à jouer ensemble aussi. Ça c'est important. Donc on dit quoi? Alors on vous conseille de venir voir L'âme de fond au théâtre des Salinières. Allez vous renseigner sur le site, regardez les jours où ça joue. C'est mardi-mercredi, c'est ça? Oui, mardi-mercredi jusqu'au 19, je crois. 18-19 juin, et après avec peut-être retour. Après on espère. En retour. Ça dépendra de vous. Bon, alors n'hésitez surtout pas à aller la voir, allez vous renseigner sur le site des Salinières. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Moi, je souhaite beaucoup de succès à cette pièce et à toi en règle générale dans ton théâtre. Et à très bientôt alors. Merci, à très bientôt. Au revoir à tous, à très bientôt. On retrouve encore Xavier tout à l'heure.
N'éteignez pas la télé. Alors, pour clôturer cette émission, nous sommes avec Xavier Deluc, l'auteur de la pièce. Oui. Alors, Xavier, oui. Tu as accouché ce soir, c'est ça? L'auteur a accouché, oui. Ça fait drôle. Hein. Alors, tes sensations? Sensation de grand vide derrière, on a l'impression qu'on est vidé, mais c'est bien. Ça appartient aux acteurs, le texte, et puis aux spectateurs, et ça soulage, je sais pas. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Mais ça, je suis heureux. Comment tu as senti le public? Je vais dire plutôt bien. En tout cas, tous ceux qui sont et celles qui sont venus me voir étaient très touchés par le texte et la construction du texte. Et puis, ils ont adhéré au jeu des acteurs. Michel Tebeuf, Julien Descombes-Boissières et puis Sophie Daniaud. Voilà, ils ont vraiment apprécié ça et la mise en scène, donc je suis heureux. Et toi, les acteurs, tu les as trouvés comment? Je les trouvais très très bien, franchement. À la hauteur de ce que tu pensais, par rapport au travail de fond que vous avez fait ensemble avant? Ouais, parce que d'un coup ça devient vivant, animé, ils se sont appropriés les choses. On a l'impression d'assister vraiment à leur... à ce qui se passe dans le garage de ce personnage principal, de M. Marraine. Il ne faut pas dire garage. Il ne faut pas dire garage. Et puis, ils m'ont offert un scooter. Parce qu'il y a un scooter dans la pièce, donc je suis content. Il y a un scooter dans les... Il y a un très beau décor sur cette pièce, cela dit. Bravo au décorateur. Ouais. Il y a un très beau décor, ça démarre là-dessus. Franchement, très bien fait. Et alors, les acteurs formidables. Et moi, j'ai un peu... était traîné en sortant de la pièce dehors où les gens discutaient. J'ai entendu de très belles choses sur ta pièce. Ah ouais, ouais. Ah cool. Notamment sur le texte, le jeu des acteurs et l'histoire de fond qui est touchante. Vous allez rire, vous allez peut-être pleurer parce que beaucoup, y a des moments d'émotion assez intenses. Enfin, c'est une pièce intelligente, bien écrite, bien construite, bien finie. Moi, je trouve qu'elle est très aboutie. Ah ouais, je crois qu'elle aboutit quand même. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière, mais c'est vraiment à voir. Alors, moi, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit tout au long de cette émission, notamment avec Frédéric Boucher. Je vous conseille une chose, c'est d'aller voir sur le site des Salinières, quand on joue cette pièce, c'est vraiment aller la voir, vous allez passer un excellent moment. Vous croiserez avec Xavier qui va y passer régulièrement, mais allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Xavier, en tout cas, nous, mon équipe et moi-même, on te dit bravo. On est très heureux d'avoir été là pour cette première et on sera de toute façon là pour les prochaines, hein. On sera toujours avec toi. Dans tous les cas, bravo et continue à écrire surtout parce que tu transmets beaucoup de choses et on est très content d'avoir été là ce soir avec toi. C'est adorable, merci. Et puis et voilà, une pièce aînée, c'est cool. Voilà, allez la voir parce que ça vaut le coup. Merci à vous, merci à Bassin. C'est un bon comédien, c'est un bon auteur, allez voir. Merci Xavier. Merci Bassin People TV, c'est cool. Ciao, ciao. Salut Thierry.